Si nous tentions aujourd'hui de nous faire une vidéo relativement courte, avec assez peu de montage, j'avoue que je ne vais pas avoir beaucoup le temps de faire de post-production aujourd'hui, au sujet de deux faits d'actualité très récents que j'ai envie de mettre en relation, corrélation. C'est l'histoire, vous en avez sans doute entendu parler, de cet aveugle, de ce malvoyant, on va dire, pour employer la neuve langue de la non-discrimination, donc un aveugle, un malvoyant, avec sa très gentille chienne de berger allemand, chienne d'aveugle, donc dressée, guidée à cet effet, qui a été mis dehors manu militari d'un monoprix, presque violenté physiquement. Les images sont assez éprouvantes. Vous arrêtez de me pousser, monsieur. Je suis dans mon bon droit. Non, monsieur. Non mais vous renversez le fauteuil roulant d'un handicapé? Vous renversez le fauteuil roulant d'un handicapé? Mais il est malvoyant! Mais il est malvoyant, il fait comment pour faire ses courses? Et quelques jours plus tôt ou plus tard, mais je crois que c'était dans une frange de quelques 2 ou 3 jours, ce père et sa fille de la région de Strasbourg, qui ont été encore une fois sortis manu militari de la zone des caisses d'un Ikea pour avoir oublié de scanner les couvercles des bocaux. Donc ils ont acquis des bocaux avec leurs couvercles, et les deux pièces étaient vendues séparément. Apparemment, ils auraient scanné soit l'un, soit l'autre des codes-barres, ils auraient oublié un des deux, et ça leur a valu une mise en garde à vue réglementaire, avec un ton parfaitement narquois et menaçant du directeur d'IKEA. Alors, IKEA, multinationale dont on sait qu'elle fait de l'évasion fiscale depuis longtemps, et qui s'est ensuite, par l'intermédiaire de son community manager, c'est-à-dire en 140 caractères sur Twitter, s'est fendu comme ça d'un petit tweet gratuit, hein, qui ne mange pas de pain, pour s'excuser, mais bon, le mal était fait. Alors, avant de vous proposer une mini rapide analyse sociétale sur ces deux faits d'actualité qui sont, selon moi, il y a des faits porteurs d'avenir, et selon moi, ils en font partie. Juste pour vous remettre en perspective la vidéo d'hier. La vidéo d'hier est un montage court en 2 minutes de la vidéo d'avant-hier. Celle d'avant-hier s'appelait Tous Homo, sous-titré à bas l'homosocialité, et pas l'homosexualité bien entendu. Celle d'hier est un montage court en 2 minutes. Donc ceci est une tentative de m'émanciper du carcan youtubesque, de l'algorithme qui nous impose de faire des vidéos de 12 à 14 minutes. Donc je ne me priverai pas, quand elle le mérite, d'en faire 20, 25 ou 26 comme c'était le cas, mais je vous proposerai, alors ça sera alternativement un jour avant, un jour après, un montage court en 2 minutes, afin que vous ayez plus la liberté de le partager avec des gens qui, on va dire, sont susceptibles de s'intéresser à ces thématiques, mais peut-être pas assez non plus pour s'imbiber, pour s'enfiler dans le cornet 20, 25 ou 30 minutes d'affilée d'un sociologue métis à lunettes, sans lunettes, qu'ils ne connaissent pas. Donc, quand vous sentez que une de vos connaissances a ses centres d'intérêt coïncident, et que potentiellement c'est un ton, c'est une forme, ce sont des thématiques qui pourraient lui parler, mais vous sentez quand même que un contenu de 20, 30, 45 minutes, ça sera trop long et qu'elle va le laisser de côté, vous lui enverrez donc un de ces petits montages courts dans lesquels il ou elle picorera ce qu'il pourra. Et ça lui donnera peut-être comme ça l'occasion de faire de constituer une porte d'entrée vers les contenus plus précis de la chaîne. Voilà, tentons. Donc je vous mets le lien dans le coin de l'écran ci-dessous. Alors, l'exemple du Monoprix et l'exemple d'IKEA
sont, selon moi, porteurs d'avenir. Je prédis, faisons un peu de prédiction, je prédis qu'ils ont vocation à se renouveler de façon de plus en plus fréquente et que la cause en est parfaitement sociologique. Le point commun, hein, vous allez me dire, ce n'est qu'une coïncidence, il faut trois événements pour faire une récurrence, mais vous allez voir que le troisième va arriver dans les prochaines semaines. Fiez-vous à mon nez qui est long et fin. La récurrence, enfin la coïncidence de ces deux événements est qu'ils ont mis en lumière l'exaspération d'une certaine classe moyenne française tertiarisée commerçante, c'est-à-dire des gérants de magasins, mais ça pourrait être des gérants d'épicerie, ça pourrait être des gens qui tiennent une pharmacie, et qui sont en commun avec qui sont en contact de par leur activité professionnelle avec une délinquance qui vient, on va dire, leur pourrir la vie, hein, tout simplement, mais une délinquance organisée, c'est-à-dire une délinquance en général, généralement d'une certaine catégorie de jeunes de périurbains, qu'on appelle globalement des racailles, et pour faire plaisir à l'amicale, hein, de la bien-pensance évidemment, je les exonère de toute connotation ethnico-religieuse, racailles donc de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si ça vous fait plaisir de le penser. Concept de racaille que j'ai pris la peine de définir dans une vidéo précédente dans le cadre de la Coupe du Monde que j'avais intitulée « Black, Blanc et Beurre sont sur un bateau ». J'avais précisé que les racailles se reconnaissent à 5 marqueurs. Premier, ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Le second, ils sont à la fois claniques, mal entourés et avec beaucoup de dissensions à l'intérieur du clan. Le troisième, c'est qu'ils glorifient la thune et le tuning en général. Le quatrième, c'est qu'ils sont défiants face à l'autorité et aux médias. Et le cinquième, c'est qu'ils sont individualistes. Voilà, ça c'est une racaille, indépendamment de toute appropriation ethnico-religieuse. Donc, les commerçants sont la couche de la classe moyenne française qui sont en prise directe avec les délinquants et cette frange racaillesque de la délinquance, hein, c'est-à-dire la petite délinquance de journée, de quartier. On ne parle pas de la grande finance internationale, ça ce sont d'autres qui en parlent. Non, ce sont ces commerçants qui sont en proie avec eux et qui sont pressurés comme dans une cocotte minute. Je ne les défends pas, moi, ce gérant de Monoprix, sincèrement, j'avais envie de lui foutre des baffes. Je ne le défends absolument pas. Néanmoins, j'explique. Hein. Je ne suis pas Manuel Valls, je ne pense pas qu'expliquer soit justifié. Quand on est en proie à une délinquance contre laquelle on ne peut quasiment rien, car, exemple du bijoutier de Nice, si on rend les balles, on finit aux assises. Exemple quotidien des Monoprix, j'ai habité près de Châtelet-les-Halles à Paris pendant 5 ans, je voyais bien les vols à l'étalage, je voyais bien l'intimidation des groupes qui pénétraient ces magasins. Eh bien, le gérant sait qu'il n'a quasiment aucun moyen car il s'expose pour se faire rembourser 3 francs 6 sous, finalement, pour s'épargner un vol de quelques dizaines d'euros. Il s'expose à des mesures de rétorsion, car ces gens étant claniques, ils vont l'attendre à la sortie, l'intimider, éventuellement le suivre, et éventuellement lui casser les phares de la voiture, ou à la fin, les yeux. Donc, il est frustré et dans l'incapacité de pouvoir agir et de pouvoir exercer finalement une quelconque forme de force directe sur la petite délinquance qui lui pourrit à la fois son chiffre d'affaires et à la fois la vie. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que cette colère, encore une fois, donc que je n'excuse pas, mais dont je comprends l'origine, s'exerce sur la frange de la population qui est la moins clanique, qui est la moins à même de se venger et qui est le plus à même de l'encaisser sans rien dire par surprise, c'est-à-dire les indigènes, c'est-à-dire les Français de souche, la petite classe moyenne qui va faire ses courses chez Ikea parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter des meubles sur mesure, ou la petite... ou le type qui va chez Monoprix s'acheter son sachet de salade sous vide et des croquettes pour son chien, dont on voit et dont on devine qu'évidemment il n'a pas le clan derrière qui va venir vous traquer si vous lui remettez les idées en place. Et ce sont eux, finalement, qui se retrouvent victimes de l'accumulation de haine générée par cette classe de commerçants. Et classe de commerçants
qui a pour bras armé finalement, c'est le comble du paradoxe, quoi, leurs vigiles qui en dernière instance font partie, ont grandi généralement dans l'appartement d'à côté, de l'autre côté de l'ascenseur, de l'autre côté du couloir, des fameux jeunes du départ qui sont tombés dans la petite délinquance. Donc pour ces raisons-là, on comprend au vu des statistiques démographiques et au vu des constats que vient de faire encore notre ministre de l'Intérieur sortant, Gérard Collomb, qui vient d'avouer que ça y est, c'était trop tard, on était en état de pré-guerre civile, eh bien, attendez-vous, hélas, si vous êtes un petit peu trop indigène, si vous avez l'air un petit peu trop inoffensif et que vous êtes un petit peu trop respectueux de l'état de droit et de la propriété privée, quand bien même auriez-vous la législation avec vous, comme l'avait ce malvoyant et sa chienne adorable, eh bien attendez-vous à ce que les commerçants excédés par les menaces, les litiges et les vols d'une population contre laquelle ils ne peuvent rien, s'en prennent à vous de plus en plus souvent, avec ou pas l'appui de leur vigile, en général avec, et avec ou pas l'appui de la police, car évidemment la police est soumise à la même injonction contradictoire. Elle ne peut taper sur les délinquants car elle n'en a pas le droit, cette consigne ne vient pas d'en haut, donc elle tapera sur qui? Sur les plus inoffensifs, c'est-à-dire sur nous. Voilà. Constat un petit peu tragique, mais dont je pense qu'il méritait d'être dit. Voilà. Si cette vidéo ne vous a apporté ne serait-ce qu'une seule information, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Si vous vous dites que ce n'est pas la première fois que je dis quelque chose de pas trop con, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche à côté pour être notifié des prochaines vidéos. Ça y est, j'ai compris la raison du bug, je pense l'avoir résolu, donc les notifications fonctionnent de nouveau. Si vous êtes un amateur de Twitter, d'Instagram ou de Facebook, les liens pour m'y suivre figurent ci-dessous. Le contenu n'est pas redondant, je n'y répète jamais la même chose. Donc suivez-moi sur votre canal préféré. Je vous dis à très bientôt. Dans la vidéo de demain ou d'après-demain, on parlera des offres qui approchent sur les séminaires. Halloween, Black Friday, Noël. Voilà. Je pars dans quelques heures, mettre à plat le contenu du séminaire de la semaine prochaine. Je pars en Toscane pour tout vous dire. J'ai mes cahiers, mes stylos, mes crayons, mes feuilles et mes règles pour vous concocter, pour finir de vous concocter un magnifique séminaire sur ce que vous devriez impérativement enseigner à vos enfants pour qu'ils survivent au 21e siècle.